Bonjour, Jean-Xavier Reynaud pour Limpers.com. Donc aujourd'hui, on va continuer sur le jeu préflop comme dans la première vidéo et on va s'intéresser aux situations de 3-bet, de 4-bet et de 5-bet parce que ça va ensemble. Donc en premier point, pour le 3-bet, un 3-bet est à. Enfin, le taux de 3-bet qu'il faut avoir, pour moi, au minimum, c'est à peu près 6% en montant au fur et à mesure où on monte en stack. En 400 et au-dessus, à 6%, c'est assez dur. La plupart des joueurs savent s'adapter et vont certes vous donner pas mal de FE, mais du coup, vous allez avoir un peu de mal à avoir de l'action sur vos grosses mains. Et donc, c'est plutôt dans la zone des 7-8%. Faut pas dépasser les 12%. Enfin, c'est très dur de dépasser les 12%. Il y a très peu de joueurs qui sont positifs avec plus de 12% de 3-bet. Et le dernier point sur lequel je voudrais revenir, c'est que c'est tout à fait faisable en NL50. Ça ne pose aucun problème. J'ai joué 3000 mains de NL50, je me suis fait une assez bonne idée, 3500 mains même, je pense, de à quoi ressemblaient les tables. Et il faut juste savoir le faire. Ça s'apprend, c'est pas un problème. Et on peut avoir 8% de 3-bet en NL50. Donc, alors pour apprendre, il y a déjà deux principes de base, c'est avec quelle main on 3-bet. Quand notre adversaire call rarement les 3-bet, il faut le 3-bet avec des mains très fortes, et des mains faibles mais qui ont des bloqueurs et qui sont si possible suitées. Alors les bloqueurs c'est quoi? C'est par exemple quand on a un king en main, on réduit les chances que notre adversaire ait AK, KK. Ce qui est important parce que c'est des mains avec lesquelles il va aller all-in pré-flop sans aucun problème. Et donc il va nous 4-bet et nous dégager de notre main. Donc si on a un king, on réduit les chances de se faire 4-bet. Une queen, quand on a QQ en face, c'est un peu la même logique. Un jack, c'est pas vraiment une bonne main en termes de bloqueur, mais dans certaines situations, c'est intéressant. Et suité, parce que quand on se fait coller, on a encore la possibilité de toucher un flop avec lequel on va aller all-in sans trop de problèmes. Quand on a king 9 haut et qu'on touche un board king high ou 9 high, bon, a priori, on va quand même donner de l'action, mais on sera pas forcément heureux d'aller all-in. Ça va dépendre de l'adversaire, du board, de la situation, de l'évolution de la main. Alors que par contre, si on touche un flush draw et qu'on peut aller all-in sur le flop, on est super content. Un peu pour les mêmes raisons, on peut jouer des mains connectées, genre 19 haut, 9 8 haut, jack 10 haut. C'est pas un problème. Par contre, ça, il faut quand même souvent avoir la position, alors que dans l'autre cas, c'est des mains qu'on va 3-bet, y compris hors de position, sans trop de problèmes. D'autres, dans la logique des bloqueurs, de la même façon, quand on a Jack O et King Queen O, on a pas mal de bloqueurs en main, c'est une bonne chose. Ça peut 3-bet pour les bloqueurs. Mais la situation dans laquelle on va beaucoup 3-bet avec King Queen O et Jack O, c'est quand notre adversaire colle beaucoup les 3-bet. Alors ça va être le cas de certains règles en NL50. Il y a des règles en NL50 qui vont vous donner quasiment pas de fold equity et d'autres qui vont vous donner énormément de fold equity sur vos 3-bet. Et puis ça va aussi être le cas de beaucoup de fiches en NL50 qui vont vous donner très peu de fold equity. Alors la raison pour laquelle on va 3-bet avec une main du genre King Queen O et Jack O, c'est parce que c'est des mains qui bénéficient d'un faible PSR au flop. C'est-à-dire que la taille du pot par rapport à la taille de notre stack, ça va grosso modo être un rapport de x4 à x6 suivant la taille des stacks et ce genre de choses, et la taille du 3-bet pré-flop, la taille du raise initial. Mais donc, quand on a un facteur, un PSR de 4 à 6, et qu'on touche top pair, on est tout à fait prêt à aller all-in, c'est pas un problème. Et en plus, on peut bénéficier d'un deuxième avantage quand on 3-bet avec King Queen O, ou Jack O, c'est qu'on... Dans certains cas, on va découper en deux la range de notre adversaire. Il va nous coller avec des mains qu'on va dominer, genre King Jack, King Ten, As Ten, ce genre de choses. Et il va nous 3-bet avec les mains qui nous dominent, AQ, AK, surtout AK. Et donc quand on tombe sur un board King High et qu'on a 3-bet avec King Queen O et que notre adversaire a l'habitude de 4-better, on sait qu'il n'a pas AK. Donc c'est vraiment idéal, ou qu'il l'a de façon... c'est extrêmement rare. Et donc du coup, on va pouvoir le stacker. Enfin, on va pouvoir se stack off relativement sereinement. On va peut-être pas pouvoir toujours le stacker, il faut qu'il ait quelque chose. Mais de la même façon, quelqu'un qui colle beaucoup les 3-bet, après derrière, il fold peu au C-bet. Il y a des gars qui foldent beaucoup au C-bet, et là, c'est très facilement exploitable. On revient à la première stratégie, mais la plupart des joueurs foldent peu au C-bet. Et donc, quand on a King Queen O, et que le flop arrive King 10 2, notre adversaire, il va pas folder Queen Jack, il va pas folder
As-10, il va pas folder King-Jack, il va pas folder King-9, et il va nous donner de l'action alors qu'on a top pair good kicker et qu'on sait qu'il a pas top pair top kicker. On a top pair second kicker, on a la meilleure main en une paire. Parce que de la même façon, il a pas. Alors après, sur les 3-bet, il faut pas hésiter à 3-bet quand UTG ou MP ouvre. UTG et MP ou MP, si c'est pas des nits complets, en moyenne, c'est. Bon, là, j'ai donné une stratégie où on est à 12,5%, mais dans la plupart des cas, on va se retrouver face à des joueurs qui vont ouvrir entre 15 et 20%. Il y a même des joueurs encore en NL50, et je suppose encore en NL100, vu que j'en ai déjà vu en NL200, qui vont quasiment ouvrir plus souvent quand ils sont UTG que quand ils sont boutons, ou à peu près la même chose. Et du coup, bah, quand ils sont UTG, eux, ils ouvrent plus de 20% de leur main. Or, le problème, c'est que dans le métagame actuel, il y a assez peu de joueurs qui 3-bet quand quelqu'un open UTG. Et du coup, on a tendance, quand on open UTG, à donner énormément de respect aux joueurs qui nous 3-bet, c'est-à-dire à tout de suite le mettre sur une main du type QQ plus AKO AKS, et potentiellement un bluff, mais rarement. Ce qui fait que la personne qui 3-bet, quelqu'un qui open UTG ou MP, a énormément de fold equity. En plus, quand on le fait et qu'on est cutoff ou bouton, ou MP face à UTG, on a la position. Donc on met une pression maximale sur notre adversaire. On présente une main très forte, on va avoir la position post-flop. La seule solution pour lui, grosso modo, c'est de nous forbet. Coller, c'est assez difficile. Et on a du coup énormément de FE, entre 55 et 70%. Même des joueurs qui vont très très peu folder quand ils open au bouton et qui sont 3-bet par small blind ou big blind vont dans cette situation-là être beaucoup plus aptes à folder assez souvent. Donc il faut pas hésiter à le faire parce que bah on a suffisamment de FE. Alors après l'autre situation dans laquelle c'est très intéressant de 3-bet, c'est quand on est au bouton vs cutoff parce que cutoff classiquement open lui 25, enfin il y a des joueurs qui n'open que 20%, il y en a d'autres qui vont ouvrir open 35%, mais ça va open assez souvent. Et là, c'est la même situation. On est au bouton, on représente une range beaucoup moins forte, mais on peut vraiment le 3-bet très souvent parce que bah, on va avoir la position post-flop, ça va vraiment simplifier nos décisions. Et on le bloque. Pareil, il est dans une situation où bon, il va nous coller plus souvent, mais du coup, là, on peut le 3-bet. Effectivement, on peut revenir à une stratégie où on 3-bet avec King Queen O, Ajax O, ce genre de main, AQO, tout ça. Et en lui mettant un maximum de pression, c'est aussi extrêmement intéressant. Là, c'est essentiellement l'avantage de la position post-flop qui va jouer, mais on va pouvoir très facilement lui mettre une pression suffisante pour gagner de l'argent, soit pré-flop, soit pas sur le flop, suivant le type de joueur. Alors, entre SB et BB, on va avoir tendance à plus 3-bet en SB qu'en BB. Pour deux raisons. La première raison, c'est que si on call, on risque de se faire squeezer par BB, et si l'initial PF erreur fold, on va être obligé de folder. Et aussi et surtout, et ça vaut pour les pots suite à un squeeze ou pour les pots où on aurait simplement collé, une fois qu'on call, on offre de bonnes odds à Big Blind pour coller. Et on va se retrouver dans une situation où, bah voilà, on a collé, Big Blind a collé, on a la plus mauvaise position sur le flop et on a la plus mauvaise position relative. La position relative, c'est. La position par rapport à l'initial raiser, c'est-à-dire que bah, on va être le premier à parler après l'initial raiser. C'est pas du tout agréable comme situation puisqu'on va devoir prendre nos décisions en sachant pas ce que bébé a fait, sauf quand bébé a donké. Mais quand il donque comme ça dans deux joueurs, il représente pas mal de force. Alors, l'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'un 3-bet bluff, c'est un bluff. Comme tous les autres bluffs, il ne doit pas être automatique. On le fait quand on a de la FE, soit pré-flop, soit sur le flop. Il y a certains joueurs contre lesquels on va avoir suffisamment de FE pré-flop. Il y a certains joueurs contre lesquels on va avoir suffisamment de FE sur le flop. Il y a d'autres joueurs contre lesquels on ne va pas avoir suffisamment de FE, mais on va 3-bet avec King Queen O, Ajaco. On va avoir ce qu'on appelle une range mergée, c'est-à-dire une range qui est constituée de mains très fortes et fortes, et très peu de bluffs. Et c'est dans ces situations-là qu'on fait un 3-bet bluff. Sachant que quand on 3-bet avec King Queen O, ce n'est pas un 3-bet bluff, dans la plupart des cas.
Alors maintenant, je vais passer au fort bet parce que c'est la réponse, enfin c'est une des réponses face au 3 bet. D'abord, je vais parler de la taille du fort bet parce que c'est un point relativement essentiel. Le problème, c'est de ne pas dépasser 30% de la stack effective parce que dès qu'on dépasse 30% de la stack effective, on se retrouve dans une situation où on est commit. Alors j'ai préparé un petit exemple. Même si on a en face de nous une range relativement solide, du genre QQ plus AKS AKO, et qu'on a King 3S et qu'on a décidé de forbet avec King 3S et que notre adversaire part push, bah, le problème c'est qu'on a 23,6% d'equity pré-flop contre cette range-là. Et qu'en plus, on ne peut pas complètement exclure le fait que notre adversaire nous bluffe de temps en temps avec Jack 5S, contre lequel on va avoir 50% d'equity. Si je rajoute, allez, deux mains, ce qui augmente très très peu, il n'a pas besoin de bluffer très souvent. On tombe à 31,7% d'equity, et là on peut quasiment plus folder. J'ai rajouté T5S et T4S, un peu complètement au hasard, ça n'a pas énormément d'importance. Mais c'est vraiment un concept essentiel, on ne peut pas folder une fois qu'on a mis 30% de notre stack. Et donc du coup, si on ne peut pas faire un fort bet d'une taille qui nous assure de l'AFE, alors qu'il faudrait pouvoir fort bet, c'est intéressant pour nous, et ben c'est simple, on push. Soit on fait moins de 30%, soit on push. La bonne taille classiquement pour assurer de l'AFE, c'est x2 à x2,5 la taille du 3 bet. Idéalement, pour se retrouver dans une situation où on a mis 25% de notre stack, la seule situation où on va faire plus que x2 à x2,5, c'est quand la taille du 3 bet est toute petite. Si notre adversaire, je sais pas, on a open à 3 bébés, notre adversaire nous 3 bet à 8 bébés, là on peut monter à 24 bébés puisqu'on est toujours en dessous des 25%. Le deuxième point, c'est qu'on ne forbet pas bluff quelqu'un qui ne 3 bet pas bluff. C'est une évidence, mais c'est important de le rappeler, il n'y a aucune raison de le faire. Et autrement, la bonne proportion de bluff quand on a affaire à quelqu'un qui 3 bet bluff, assez souvent, s'il 3 bet bluff une fois sur 5 quand il 3 bet, c'est pas intéressant. La bonne proportion de bluff, c'est environ 50%. Les bonnes mains pour le faire, c'est des mains du type AXS parce qu'elles se comportent pas trop mal quand on est collé et qu'elles comportent un bloqueur, même logique que précédemment, face à Perdas et AK, qui sont des mains avec lesquelles notre adversaire va aller all-in si on le forbet. Un autre point sur le principal intérêt du forbet, c'est surtout OOP. Parce qu'il y a plein de mains qu'on n'a pas envie de jouer au OP, enfin sans l'avantage de la position, sans l'initiative, même une main comme QQ et AK, c'est pas du tout une main agréable à jouer dans un pot 3 bet. Donc c'est une main avec laquelle on a envie de fort bet. Et OP, en plus, ça présente l'intérêt d'être. On peut définir une stratégie où, en gros, face à un 3 bet, soit on fort bet, soit on fold. C'est valable à partir du moment où on a environ 30% de fort bet. Et donc c'est valable à partir du moment où on est dans une situation ou une main sur trois, grosso modo, on va fort bet. Alors il faut bien se réaliser que c'est un avantage du jeu tag, c'est que c'est très facile à faire, parce que bah, par exemple quand on est UTG ou en MP, on va ouvrir 12, 15, même 20% en cut-off, 30% ça va représenter 4,2%, 5%, 6%. Or, bon, on va prendre un exemple, hein. Donc je vire le T5S et le T4S. Disons que la range avec laquelle on veut aller all-in, c'est ça, A, KK, QQ, AKO, AKS. On est déjà à 2,6%. Je veux monter à 5% pour avoir 50% de bluff. Ben, je rajoute les AXS. Et voilà, là je suis à 5%. Donc une main sur 3, je forbet avec ça quand je suis en MP. Ben, mon adversaire, en fait, dans cette situation-là, il a plus suffisamment de fold equity pour appliquer une stratégie de. Il 3 bet et puis il fold si on le forbet. Ça devient une stratégie qui est perdante. Le dernier point, c'est par rapport à la taille du c-bet. La taille du c-bet quand on se fait coller, parce que ça va nous arriver. Moi, je sais, j'ai du mal à coller les forbets, mais il y a des très bons joueurs qui le font, donc c'est pas forcément une stratégie perdante. Et il y a des joueurs qui vont le faire assez souvent. En cas de call, la taille de ces bets c'est 1,5 de PSB parce que si on bet plus, on est commit tout de suite. Donc c'est relativement important de faire des bets de 1,5 PSB pour pas être commit sur le flop. Et par contre, comme ça offre un très bon risk-reward, c'est-à-dire qu'on a besoin de gagner le pot une fois sur trois pour que ce soit break-even, et ben on peut le faire très souvent. Aussi bien avec AA qu'avec As-5S quand on n'a rien touché sur le flop.
Bon, le dernier point sur le dont je vais vous parler, c'est les fifth bets. Alors, bon, déjà le premier point, c'est que sans VB Deep, un fifth bet, c'est un fifth bet AI. C'est la base. Parce que bah, c'est un peu le même exemple que celui que j'avais mis plus haut. C'est-à-dire que si on fifth bet AI sans BB Deep et que. Enfin, si on fifth bet pas AI, on va être obligé de mettre environ 50 BB. Il va nous rester 50 BB. On a besoin de 25% d'equity pour coller. Bah, c'était l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Même si notre adversaire ne bluffe jamais, là par contre, on est complètement commit. Tant qu'à être commit, autant aller directement AI. Hein. Ça revient au même, de toute façon, on ne peut plus folder. On a toujours un minimum de FE face à un fort bet. C'est relativement important parce que ça modifie notre stratégie de 3 bet. Je parle d'un fort bet qui a une taille qui nous assure de la FE. Si le mec a mis 35% de sa stack préflop, on n'a plus de FE. Mais si le mec il a mis moins de 30% de sa stack, on peut supposer qu'on a encore un peu de FE. C'est toujours difficile d'estimer la FE qu'on a. Mais dans ce cas-là, le problème, c'est que quand on a 3 bet avec une petite pocket pair ou avec AQS, bah, on a. Donc je vais reprendre la range de tout à l'heure et on va se mettre avec paire de 5, disons. Et voilà. Donc paire de 5 contre QQ plus AKS AKO, on a 35% d'equity. Le problème, c'est que on a besoin d'à peu près 35% d'equity en fait pour être break-even légèrement positif. Quand on forbet, si on a suffisamment de FE, c'est-à-dire je pense à peu près 33% aussi. Et donc quand on commence à 3-bet avec une petite pocket pair, le problème c'est que quand notre adversaire nous forbet, on est quasiment obligé d'aller all-in. On a trop d'equity préflop et on a trop de fold equity préflop. Et comme c'est pas un résultat, c'est-à-dire que c'est pas non plus une bonne chose d'aller systématiquement all-in avec paire de 3 quand un adversaire raise, parce qu'on va perdre plein d'argent. Bah, c'est un enchaînement dans lequel on ne veut pas rentrer. Et donc pour pas rentrer dans cet enchaînement, bah c'est simple, on va pas 3-bet si on sait que notre adversaire est capable de 4-bet à la bonne taille. Alors le dernier point sur lequel je vais revenir, c'est le 5-bet AI en bluff. C'est assez rare, je pense qu'en NL50 on n'en a pas besoin, je pense qu'en NL100 on n'en a pas besoin, je pense qu'en NL200 on n'en a pas besoin, mais je vais quand même vous donner quelques clés sur la logique du 5-bet AI bluff. La bonne logique du 5-bet AI bluff, en fait, c'est d'avoir décidé avant de faire son 3-bet qu'on va 5-bet AI bluff. C'est-à-dire qu'on fait son 3-bet en sachant que notre adversaire va 4-bet très souvent. Ça vient avec l'expérience, c'est des situations qu'on va apprendre à identifier, où la dynamique un peu particulière de la table, l'agression et tout, font que là, on sait que notre adversaire va 4-bet extrêmement souvent. Et donc dans ces cas-là, ça peut être intéressant de 5-bet AI bluff. C'est un bluff pour stack, on risque pas mal, mais par rapport à tous les autres bluffs pour stack, par exemple un check raise AI sur la turn, ou n'importe quoi de ce style, ou un 3-barrel bluff dans un post 3-bet, ou n'importe quoi de ce style. Bah, ça présente un énorme avantage, c'est que c'est une situation dans laquelle on a toujours un minimum de FE. On va reprendre toujours la range, en supposant que c'est ça sa range de call. On va dire qu'on le fait avec King 7 S. On a encore 25% de FE. Donc quand on voit que dans certaines situations, on peut se retrouver commit sur le flop à aller all-in alors qu'on a un nut flush draw, mais qu'en face c'est un vrai nit et qu'il a que un 7. Ou un paire d'as dans sa calling range, mais qu'on a encore un peu de FE, donc c'est obligatoire de le faire, blablabla. Bah en règle générale, on a à peu près la même equity, donc il faut pas non plus s'imaginer que c'est, enfin, c'est pas un move qui détruit votre equity. Alors du coup, l'idéal est de le faire avec une main du type AXS, King XS, Queen XS, parce que c'est des mains qui gardent, bah là c'est l'exemple que j'ai donné, King 7 S, qui gardent un bon score en equity préflop. C'est-à-dire que s'il a une pocket pair qui découpe la main en deux, genre on a As-5S, il a paire de 10, on a une très bonne equity. Avec Queen XS, s'il a AK, on a une très bonne equity, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est des mains qui restent solides. D'ailleurs, je vais prendre Queen XS parce que c'est un calcul que j'avais jamais fait. Mais je me demande si Queen XS est pas légèrement meilleur. Ouais, légèrement meilleur, ça joue à 1%, mais vous voyez, c'est à peu près la même chose. Et donc je vais faire un essai avec As-7S aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Et As-7S, on monte à 29%. Et donc voilà. Bon, on va passer à la vidéo maintenant.
parce que vous allez voir, c'est intéressant. Je me fais beaucoup 3-bet, je 3-bet beaucoup et on s'amuse. Bon, donc on va maintenant passer à la session proprement dite. C'est une session qui m'a posé pas mal de problèmes au niveau de l'enregistrement parce qu'en fait j'ai dû faire 5 ou 6 sessions vu que les sessions précédentes, à chaque fois que je jouais, on me donnait des cartes de fou à chaque fois. J'avais 4 paires d'as par 100 mains et je me retrouvais avec une image de lag alors que je jouais scrupuleusement les ranges. Là, c'est une session où ça va se passer plus normalement en matière de range. Enfin, d'opening range, et je vais avoir des stats à la fin de la session, il me semble, où je termine 21-15. Elle est intéressante au début parce que c'est vraiment le style tag complètement classique, et sauf que à partir d'un certain moment, je sais pas trop pourquoi les joueurs vont s'énerver. Bon, à bas à gauche, j'ai complété avec As-7 suité, la small blind. Je sais pas trop comment les joueurs jouent. Big blind décide de raiser, ce qui joue un move qui représente pas mal de force. Je décide de folder. Autrement, j'ai collé en position avec As-9 S et j'ai eu un flush draw, ce qui m'a permis de gagner un pot sur le raise du C-bet. On peut noter déjà aux tables qu'il y a un certain nombre de joueurs qui sont présents sur pas mal de tables. Yeyu est présent sur 3 des 4 tables, Manhwa est présent sur 4 des 4 tables. C'est principalement avec ces deux joueurs-là que ça va commencer à s'énerver. Alors Yeyu a l'air d'être un joueur, bon là on n'a pas encore des stats précises, mais un joueur assez classique. Je pense que ses stats sur le long terme c'est 23-19. Au début je savais pas trop si 3-bet light ou pas, et voilà. Bon, en bas à droite j'ai collé un opening de UTG sur un UTG sur lequel j'ai aucun read avec Jack-10 suité, c'est complètement standard. Les deux checks, j'ai la position avec l'overcaller, je décide de bêter le flop parce que je me dis que voilà, et là l'initial PFR nous fait un check raise. Il représente pas grand chose, mais en plus avec un autre joueur sur lequel j'ai aucun read à ce stade, mais qui a l'air plutôt lag, qui peut avoir un peu n'importe quoi. Je peux difficilement tenter un bluff, au risque de me faire coller par mon noix si c'est un fiche. Et l'initial PFR, même s'il ne représente pas grand-chose, il peut avoir un set de king, c'est une main qu'un certain nombre de joueurs sont capables de jouer comme ça. Il peut avoir plein de mains là, éventuellement un flush draw, éventuellement. Enfin, il peut avoir pas mal de mains avec lesquelles il a décidé de check-raiser. Et donc, c'est assez impossible de faire un 3-bet bluff. Et avec juste Jack High et un backdoor flush draw, c'est assez logique de folder, surtout avec l'overcaller. Donc voilà, sinon dans cette vidéo, bon, il doit pas y avoir de problème d'image parce que j'avais pas fait énormément de mains sur ce network. Par contre, c'est. Et en plus, oui, j'utilise le compte d'un ami qui a genre pas joué sur Everest depuis un an, donc il n'y a pas de problème de pollution d'image. En plus, quand il a joué, il me semble qu'il a joué short stack, donc il n'y a vraiment pas de problème de pollution d'image. En bas à gauche, j'hésite à 3-bet, mais comme je connais pas encore trop le joueur, je rentre pas encore dans une dynamique extrêmement agressive. Mon bas gauche. Si Manhwa était beaucoup plus passif sur un tight weak, ça aurait été vaguement possible de coller pour se retrouver un pot à jouer un pot avec le fiche. Mais Jack 8 haut, c'est vraiment une mauvaise main. Donc bon, aucun regret à la folder. Et en plus, derrière, j'ai un joueur qui potentiellement peut raiser assez souvent. Bon, à gauche, j'ai raisé UTG. J'ai top pair sur un board qui est très drawy. Hors de question de s'amuser à le slow player ou quoi que ce soit de ce style. En bas à gauche, je décide de 3-bet face à un joueur qui potentiellement est en train de d'iso-raise un fiche, puisque Carry 58 a vraiment une tête de fiche. Et je me fais 4-bet AI, bon, avec As-10 haut, pas vraiment de questions à se poser. Voilà.
sur la table en haut à gauche, j'anticipe un tout petit peu sur l'action, mais le bouton va open. Avec paire 2, j'ai pas les implied odds, il a une range super large et je vais difficilement aller voir un showdown. Du coup, je ne peux pas coller. Je reviendrai dessus, je pense, dans la prochaine vidéo, dans la partie théorique sur les calling range. Mais là, ce serait une erreur de coller pré-flop. Sachant qu'on n'est même pas 100 bébés deep, que je vais devoir check folder sur la plupart des flops. Et que là, à peu près une fois sur 8, je vais toucher un 7, certes. Mais quand je toucherai un 7, en règle générale, mon adversaire n'aura rien. Donc ça m'obligerait à faire énormément de check raise bluff avec une pocket pair, ce qui est jamais très agréable puisqu'on a très peu d'outs. On n'a que deux outs avec une pocket pair sur 90% des bluffs, des 8 boards. Là, même si c'est un raise de bouton, bon, j'ai pas énormément de mains sur lui, je décide de coller, enfin un raise du TG, je décide de coller au bouton avec As-6 suité. Chez moi, c'est un move complètement standard. Ça va. Bon, tout à l'heure, on a pu voir qu'avec un flush draw, c'était relativement facile à jouer. Là, ça va être un peu plus délicat. Alors, la table sur laquelle je suis le plus lax, c'est la table en haut à gauche, mais c'est essentiellement parce que j'ai beaucoup attaqué les blindes. Là, j'ai déjà zappé 5 minutes de vidéo parce qu'il s'y passait rien. La table en bas à droite, j'ai third pair top kicker, le joueur est plutôt tight, j'hésite entre raise et coller, les deux ont un intérêt. Un raise ici représente beaucoup de force, je décide de coller, parce que ça représente aussi pas mal de force dans un autre style. Et que j'avais un backdoor flush draw. Il second barrel sur cette turn qui est une blanque et en même temps pas une blanque, enfin bon. Ça amène beaucoup de gutshot et tout et tout. Je décide de folder, c'est complètement standard face à un unknown. En bas à gauche, je vais checker ma paire de 10 sur un board à 6-3 rainbow. C'est quelque chose que je fais. Si mon adversaire avait été un reg, j'aurais bêté. J'ai pas du tout envie de m'embarquer dans une politique de check call sur un board à 6-3 rainbow. Parce que globalement, si je commence à faire ça, les seules mains avec lesquelles je vais partir en check call, c'est paire de 10 à paire de rois. Puisque si j'ai un as, je vais c'est bête. Si j'ai rien, je vais c'est bête. Et si j'ai. En gros, et si j'ai un flush draw, je vais c'est bête. En gros, la seule chose qui reste, c'est les pocket pairs intermédiaires. Ça consiste à jouer sa main face up dans une situation où notre adversaire saura très très bien où il en est. C'est-à-dire que bon, il peut avoir un flush draw, il peut avoir un as, il peut avoir n'importe quoi, et quand il est compétent, il va s'en servir pour éventuellement décider de nous bluffer ou décider de. Il peut jouer parfaitement. En haut à droite, je décide de. Bon, c'est un joueur qui attaquait beaucoup les blindes, donc je décide de 3-bet avec mon King Jack haut. Je touche mon flop. À partir du moment où je touche mon flop, et vu qu'on n'est même pas 100 bébés deep, là je suis prêt à me stack off. S'il me raise, je vais all-in. S'il call, je vais remettre la turn. Et s'il recall, je vais pusher la river. Enfin, j'aurais peut-être pusher la turn vu les tailles de stack. J'ai pas fait les calculs. Bon, derrière, c'est juste le scénario idéal, c'est-à-dire que je viens de le 3-bet, il re-raise et j'ai paire d'as. Que demande le peuple? Je m'attendais un. Enfin, j'espérais qu'il me call et il décide de folder, donc bon, c'est dommage. En bas à gauche, j'ise au raise un fish et à droite, en bas à droite, je 3-bet avec King Jack haut. Je gagne le pot. Et en bas à gauche, je value bet. Donc là, pour moi, il peut me coller avec énormément de choses. Y compris une over, deux over, c'est quand même un fish. Et la propriété des fish ne représente pas grand-chose. Et donc je fais un petit bet pour qu'il ait vraiment une calling range très large. Bon, la turn m'amène a priori le meilleur draw et la meilleure main. Donc j'essaie de raiser, hein, parce que je suis très très content de ma main. La river m'ennuie un peu. Parce qu'il y a quand même pas mal de 6 dans sa calling range. Je décide de checker behind. Le sin value bet ici se dispute, mais ça me dérange pas de checker behind. Avec Jack 10, je bet. Avec 10-9 aussi. 18-17, c'est plus délicat, j'ai enfin, un tout petit peu. Il faut que je l'agresse un tout petit peu pour que je le bête ici.
Parce que à part les pocket pairs intermédiaires et parfois bottom pair, je vois pas trop avec Queen Call. Après, vu à quel point il était fichy, il y avait sans doute de la value. Bon, sinon, bon, en haut à droite, j'open AKO. J'ai été très actif au bouton. Je me fais coller par la big blind. Le flop arrive dame 10-4. Et j'ai le backdoor nut flush draw à carreau. Donc il y a énormément de turns qui m'arrangent. Il n'y a aucune hésitation à avoir. Il faut bêter. Plutôt gros parce que le board est trop oui. Bon, en haut à droite, j'open roi valet suité. J'obtiens un board quasi parfait sur le thème un draw pas chosen value. Et c'est gut shot plus nut flush draw, c'est juste énormissime. Surtout qu'il y a assez peu de sets possibles à part paire de 8. Et donc je sais bête mes deux adversaires fold. En plus je représente pas mal de force. C'est un board qui a plutôt touché la range 1 PFR UTG. Il y a un as, une dame. Donc voilà. Alors j'aurais probablement ces bêtes avec AK, AQ, bien sûr. Paire de 8, paire de dames, paire d'as, paire de rois. Les mains qui ont 0 showdown value. Après avec un As-6 suité, c'est plus délicat. L'As-6 suité qui a un backdoor flush draw. Enfin tous les As-6 suité avec le backdoor flush draw, je pense que j'aurais ces bêtes aussi. Les As-6 suité sans le backdoor flush draw, ça peut m'arriver de checker dans cette situation-là. Three-way. Et même heads up. C'est plus rare. Heads up, As valet suité, je vais le c-bet, As 10 suité aussi. En dessous, ça va être un peu plus compliqué. Là, il se passe pas grand chose, c'est une petite pause sur. C'est le problème du jeu tag, c'est que des fois il y a des phases un peu lentes. Mais normalement on a à peu près fini la première partie de la vidéo, enfin. Ouais non, il nous reste encore un peu de temps. La vidéo est clairement distincte, enfin, divisée en deux phases. Il y a une phase où j'ai gagné un peu d'argent, on va se retrouver quelquefois all-in pré-flop. Sur des situations complètement standards, il se passe rien de particulier. Et puis après, au fur et à mesure, les règles vont commencer à réagir en fait. Je pense que c'est parce que je serais bêté pas mal. Mais ils vont commencer à réagir et à pas mal m'agresser. Donc là, je raise As-9S. Mon adversaire en bas à droite. Mon adversaire me serait bête. C'est une position dans laquelle je pense qu'il bluffe quand même assez souvent. C'est une main avec laquelle j'ai pas trop envie de coller un raise et donc je décide de le forbet et il fold. Ah non, il call. Bon, quand il call là, je m'attends à ce qu'il ait une pocket pair intermédiaire assez souvent. Je vais bêter, je vais faire demi PSB en espérant encore avoir un peu de FE. Enfin, c'est pocket pair intermédiaire et connecteur suité, surtout ce que je m'attends à voir. Parfois des mains du genre As-Jack-O, c'est variable. Et donc je pense que j'ai encore de la FE. Bon, bas à gauche, j'ai raisé. Même si l'action est un peu scary, c'est complètement impossible de folder paire de roi préflop. Hein, donc c'est complètement obligatoire. Je call. Et voilà, de toute façon, c'est ce que je disais dans la première partie, c'est que quand on a 4 bet préflop et qu'on se fait coller, en faisant un demi PSB, le risk-reward est tellement intéressant que même sur un board comme King 4-3, on a envie de bêter. Et surtout, bon, de temps en temps, on va se faire pusher de la main, c'est-à-dire qu'il va aller all-in et qu'on va pas pouvoir coller avec notre As-9S sans même avec leur flush draw. Mais c'est pas dramatique parce que bah, la moitié du temps, on a une main qui nous permet de coller. La moitié du temps, là, j'ai 10-10, ou mieux, et je vais coller.
Et je vais aussi sans doute coller avec AK. Donc, enfin, je vais bet call AK. Donc, à partir de là, il n'y a pas de problème. La moitié du. Enfin, ouais. Une fois sur deux, je vais coller son push. Il n'y a pas assez de FE pour rendre son push vraiment très intéressant. Avec toute sa range. Bon, haut à gauche, donc Manoa c'est un joueur qui est très actif, qui semble ressembler à un Reg, ne serait-ce que parce que ses stats de VPI PPFR semblent assez proches mine de rien, parce qu'il a une agression assez solide par rapport à ses stats, et aussi parce qu'il est présent sur les 4 tables. C'est quasiment le truc qui me fait le plus dire que c'est sans doute un Reg, de la limite, un des plus lags très certainement. Donc je décide de le 3-bet quand il open dans cette situation-là parce que j'ai l'impression qu'il a une range d'opening quand même assez large. Et je me fais call-coller derrière. À partir du moment où je me fais call-coller, inutile de vous dire qu'il me faut au minimum un as sur le flop pour me sentir vraiment bien. Un as, je me sentirais vraiment bien, mais sans as comme ça, j'abandonne complètement la main sur le flop. Ça sert à rien de ces bêtes. Le gars qui nous call-call est un joueur relativement tight. On peut supposer que ça rentre. J'ai paire de 10, paire de jack, paire de queen, parfois paire de 9, parfois AK. De toute façon, là, il va bêter dans 3 adversaires. Donc voilà. Alors même si bon, j'avais un problème de taille de raise et la taille de raise n'était pas bonne sur mon 3-bet pré-flop, malgré ça, c'était un fold assez logique. Notre adversaire représente là vraiment une main assez forte. À partir de 400, on commence à avoir des joueurs très rares, mais qui sont capables de bluff call call les 3-bet. En 50, même s'il est tout à fait possible que ça existe, j'ai pas du tout envie d'aller vérifier avec As-High et un mauvais kicker. Donc là, on a collé au OP un raise avec Queen Jack suité face à un joueur qui steal pas beaucoup. C'est limite, mais ça se fait sans trop de problèmes. Enfin non, je vous déconseille de le faire. Donc là, quand il check behind sur le flop, bah, je décide de bêter la turn pour tenter de récupérer le pot. Quand il call, je me dis que éventuellement ça peut très bien être une paire de rois, une paire de dames qui a eu peur de l'as. Bon, en haut à gauche, je me fais 3-bet par Yeyu qui m'a déjà 3-bet bluff, puisque quand il a foldé sur un 4-bet. Donc avec paire de queen, c'est un stack-off obligatoire, je 4-bet call. Je vais vous arrêter le suspense, hein, parce que là, il se pose des milliards de questions, mais... Alors, j'aime pas du tout la taille de son raise, puisque de toute façon, c'est le commit à coller avec n'importe quoi. Voilà. Quelque part, le bon Dieu l'a puni. Il y a eu une queen sur le flop. Enfin, il avait quand même caca. Bon. On a déjà été une fois all-in avec caca contre QQ, on a gagné. Et on va avec all-in avec QQ contre caca, et on gagne. Moi, j'aime bien la vie. Et donc oui, en bas à droite, j'ai rebêté la river avec mon Queen Jack sur H10. Il y avait un 6 et un 7, je crois, quelque chose comme ça. Et mon adversaire avait open-ended sur la turn et a touché river straight. Peut difficilement. On a vu le fait qu'on soit deep en haut à gauche, c'est un call complètement standard. Là par contre, j'aime pas du tout la façon dont j'ai joué cette main, puisque j'ai décidé de checker pour partir sur un check raise. Et vu la structure du board, c'est clairement mieux de donker parce qu'on n'a pas envie de construire un gros pot, vu la taille des stacks. On n'a pas une dynamique qui permet de check raiser réellement avec. Non, je suis parti sur un check call. C'est moins grave que de. Contre un fiche comme ça, c'est moins grave que de check raise. Mais
Et donc quand je touche turn, mon plan c'est là par contre c'est de check raise. Pour value, hein, parce que je pense qu'il peut me coller avec un jack. Il y a beaucoup de gutshot, il y a beaucoup de paires, donc à partir de là, mon plan c'est de bêter la turn, enfin check raise la turn, et c'était éventuellement de. Enfin c'était de bêter river. A priori j'aurais bet foldé environ 25, ça me commit pas. Je pense pas joueur de joueur suffisamment sophistiqué pour me faire un bluff raise river avec une mad hand avec laquelle il aurait collé la turn. Donc c'était a priori mon plan dans la main. Mais toujours est-il que sur ce board-là, je préfère largement un donk. De façon générale, j'ai tendance à pas assez donker dans certains spots. Et là, il y a deux spots où un donk aurait été préférable. Celui-là est de loin le moins grave. Je me disais, j'avais l'impression que j'avais check raise le flop et heureusement non, j'ai check collé. Et contre un fish comme ça, check collé avec top pair, good kicker, c'est pas du tout dramatique. Bon là je décide d'overcall avec 9-8 suité, ce qui est complètement standard, c'est un joueur qui est assez large qu'open UTG. On se fait squeezer par quelqu'un avec qui moi je suis deep. L'initial PF erreur ne fait que coller, ce qui laisse supposer qu'il a une main correcte sans plus. Et j'ai la position, donc je décide de coller. Bon, c'est un flop qui n'est pas parfait pour ma main, mais mine de rien, j'ai pas mal de backdoor gutshot, même un ou deux backdoor open-ended, enfin deux backdoor open-ended, des backdoor flush et tout et tout. Et surtout quand on call avec ses mains, avec ce genre de main, là je vais mettre en pause. Quand on call avec cette main-là pré-flop, le squeeze. Bon, c'est d'une part parce qu'on a une main qui est capable de faire de très très belles mains post-flop et enfin sur le flop et qui peut nous permettre d'aller all-in en mettant pas mal de pression à nos adversaires. Mais c'est d'autre part aussi pour gagner le pot quand on a la position et que personne n'a l'air de trop vouloir du pot. Sachant que mine de rien par rapport à notre calling range, ici, bon, il faut un peu réfléchir, qu'est-ce qu'on aurait pu jouer comme ça pré-flop? N'importe quelle paire jusqu'à la paire de Jack, a priori paire de Queen, on a 3 bet pré-flop. Surtout avec la dynamique en cours, et à part ça, des très bons connecteurs suités. Le reste, on va avoir tendance à le folder, et honnêtement, les pocket pairs en dessous du 7, on va avoir tendance à les folder au squeeze. Donc là, notre range, c'est à peu près 8-7 suités, 7-6 suités, 9-8 suités, 10-8 suités, valet-10 suités, dame-valet suités, et n'importe quelle paire entre la paire de 7 et la paire de jack. Et donc, quand mouse poker check. Bah lui sa range c'est quoi? Si on suppose qu'il est complètement legit et qu'il squeeze pas trop en bluff, il a collé avec enfin il nous a squeezé avec une range du genre QQ plus AK. Il y a une queen sur le flop, donc a priori la moitié de sa range quand on arrive sur le flop c'est AK. Manoa a pu aussi avoir une pocket pair, c'est assez difficile à dire. Donc là le plan est assez simple. Quand mouse poker check, il annonce quelque part qu'il give up la main parce que sur ce board-là, avec Pocket King, Pocket As, Pocket Queen, il aurait sans doute ses bêtes. Peut-être un check raise AI avec Pocket Queen. Manwa check, alors que c'est un joueur qui est plutôt agressif, on peut supposer qu'il aurait bête avec une pocket pair. Il en aura parfois une et parfois il va partir dans un mode check call, ce qui n'est pas dramatique parce que si on récupère des outs sur la turn, on peut boucher. On représente une force assez grande quand même. Et mouse poker, il y a énormément de chances pour qu'il fold. Donc là, sur cette main, c'est complètement de standard de bet pour essayer de voler le pot. Et c'est vraiment important de le faire parce que sinon, notre call est perdant pré-flop. Disons qu'il faut gagner le pot post-flop en servant de la position à peu près une fois sur quatre pour que ce soit rentable. En même temps, il faut bien comprendre que dans la position de mouse poker, sur ce board-là, c'est un peu délicat de c-bet avec toute sa range, parce que bah, de temps en temps, nous on peut être têtu avec une paire de 10, Manwa peut être têtu, on peut avoir une paire de 7, pas une paire de dames, mais
On peut avoir Queen Jack, on peut avoir des mains avec lesquelles on va c-bet, enfin coller un c-bet. Donc c'est pas très, c'est un peu délicat pour lui de c-bet dans cette situation avec 100% de sa range. Et quand il c-bet pas avec mon roi c'est fold, enfin check, on est quand même nous dans la meilleure position possible. Et en bêtant, on représente une pocket paire intermédiaire, c'est-à-dire pas du tout ce qu'on a, mais mine de rien, ils ont pas grand-chose à faire parce que quand on va bêter ici avec Pocket Jack et que Mahout's Poker va nous check raise, sa range de check raise est tellement limitée sur ce board que qu'on va coller assez souvent. Bon, en bas à droite, l'initial PF erreur a collé le donk de mon noix. Bon, j'ai paire de 8, le board c'est Jack 10-6 bicolore, c'est complètement impossible de coller. Faut surtout pas coller ici. Il y en a très certainement un des deux qui nous a. Même si le board est drawy, il y en a un des deux qui nous bat et un des deux qui a une très très bonne equity contre nous. En supposant qu'il y en a un qui nous mette un et l'autre un draw. Et on va absolument rien pouvoir faire. Donc faut vraiment pas coller. Bon là il se trouve que les deux avaient double paire sur la turn. Mon noix a perdu un peu d'argent, a pas bêté la turn. Là en bas à gauche, j'ai affaire à un opening d'un joueur qui a l'air plutôt classique, qui ressemble plutôt à un reg sur 20 mains. Avec 18 suité, je décide de coller le. Là, mon plan, c'est le check raise sur le flop. Même si je représente pas grand-chose, ça sera la première fois que. Enfin, ça aurait été la première fois que je l'aurais check raise. Et à partir de là, en général, sur le premier check raise, les joueurs ont tendance à nous donner du respect. Ça instaure une bonne dynamique et j'ai un nombre assez conséquent de backdoor, flush, straight, paire. Bon alors bien entendu je touche ma backdoor flush alors que j'ai pas de check raise vu qu'il a check behind et donc je bet la turn de façon assez logique. Quand il call ici, sa range c'est essentiellement un 6, un 4, éventuellement une main du type As-5, As-3. Éventuellement As-2, un flush draw et tout. Donc pas une range très très forte. Le 6, ça a autant renforcé ma range à moi que sa range à lui. J'ai beaucoup plus de Jack dans ma range que lui n'en a. Donc à partir de là, ça semble complètement obligatoire de rebarrel cette turn pour voler le pot sur la river. On va rarement être collé. Il peut aussi nous avoir collé sur la turn avec As-High. Tout un tas de mains avec lesquelles il peut décider de folder River. Là, on aurait été en bas à droite contre Carry 58 avec Queen 3S. Vu que c'est un joueur qui fold beaucoup ses bêtes, c'est pas du tout une mauvaise idée de l'isoraise quand on est un tout petit peu plus deep que ça. Le problème, c'est qu'il lui restait 40 BB et que c'est pas très agréable de jouer un pot avec Queen 3S dans cette situation-là contre ce type de joueur. J'ai dit en bas à gauche ou en bas à droite, c'était en bas à gauche. Normalement là dans les quelques minutes qui viennent on va commencer à avoir pas mal d'actions qui va essentiellement se produire avec Yeyu qui va augmenter sa fréquence de 3-bet et avec mon roi.
On va d'abord nous agresser et qui va répondre à l'agression. Alors, Yeyu, quand il me serait bête dans cette situation-là, j'ai une range très tight dans cette position, j'ai pas particulièrement besoin de défendre mes raises avec As-Dame haut. On aurait été bouton contre cutoff, j'aurais fort bête, call push éventuellement. Au moins, je me serais posé des questions. Là, UTG contre MP, je me dis que bon. Je fais pas une grosse erreur en foldant. Potentiellement, j'en fais une beaucoup plus grosse en acceptant d'aller all-in. Ça me semble assez mauvais dans cette situation d'aller all-in. On n'a pas encore une dynamique suffisamment agressive pour que je me permette de fort bet call push. Là, je call avec ma paire de 7. Alors, je call avec une paire de 7 parce qu'une paire de 7, ça a de la showdown value plus facile à descendre qu'une paire de 2. Avec une paire de 2 là-dessus, on a une très mauvaise main puisque quand le gars a King Queen, il a une equity de ouf. Presque 40%. Alors que là, avec notre paire de 7, bah par exemple la 8 est une carte qui nous arrange puisqu'elle nous donne un gut shot. Alors là, la river est intéressante. Je vais mettre en pause. Enfin, la river est intéressante. Donc elle nous donne un full. La question qu'il faut se poser, c'est avec quelle main il est capable de coller un bet sur cette river, sachant qu'il a checké behind la turn. Il y a peu de chances qu'il ait la flush parce que la plupart des joueurs vont avoir tendance à bêter avec un flush draw sur la turn. Il peut avoir slow playé un full, c'est pas hors de. Pas complètement impossible. Il peut avoir un 9, c'est pas un bet obligatoire sur la turn s'il a une main du genre Queen 9 ou un truc comme ça. Il peut avoir une pocket pair au-dessus du Jack, capper du 6. Il peut avoir slow playé 6-7, il peut avoir slow playé 8-6. Bon, il peut aussi avoir slow playé des fulls qui nous battent. Toutes ces mains-là vont soit coller, soit nous raiser si on bet. Mais à part ça, il faut bien voir que il va folder si on bet. Il va folder énormément de choses. Il va folder. S'il n'a pas un minimum de showdown value, il va folder. Tous les draws, enfin, les gut shots qu'on pouvait avoir sur le flop sont arrivés. On représente assez bien une pocket pair. Il y a trop de mains qu'on touchait. C'est un fold assez facile pour lui. Alors que par contre, si on check, on sous-représente notre main. Et toutes les mains qu'aurait éventuellement collé un bet. Bah, la plupart vont bêter ici. Les seuls qui vont éventuellement ne pas bêter, c'est paire de Jack, paire de Queen. Et le truc de paire de Jack et de paire de Queen, c'est que par contre, il les aurait logiquement bêtés sur la turn. Donc même s'il ne le fait pas systématiquement sur la turn, quand il check behind la turn, ça réduit la proportion de paire de Jack et de paire de Queen. Et donc du coup, c'est important de checker ici pour essayer, bah, d'une part, de lui laisser l'occasion de bluffer, parce que de temps en temps, il va décider de bluffer. Et d'autre part, pour lui laisser la possibilité de bêter avec un 9. Avec les rares flushes qu'il a, avec tout ce qu'il peut avoir qui a de la value, sur l'aspect, bah, s'il bet et qu'on le check raise, déjà on va pouvoir gagner un pot beaucoup plus gros, et c'est pas du tout évident face à sur cette action-là, un 9 accepte de folder. Il peut commettre une erreur en collant avec un 9. Donc dans les situations comme ça où. Si vous bêtez, vous vous faites coller par une range sur la river qui, si vous aviez checké, aurait quasiment systématiquement bêté, alors que vous avez une main super forte et qu'il est possible de faire des mains un peu miraculeuses river. Parce que là, un 9, il avait rien sur le flop, il a une straight river, il en est très content, il n'a pas envie de la folder. Il vaut mieux check raise. En termes d'extract, c'est relativement important. Bon là, je vérifie juste que ça lui arrive de bêter river. Et donc, sur les quelques mains qu'on avait vues ensemble, il a bêté une fois sur 3. Et en plus, en faisant ça, parfois, ce qui peut se produire, mine de rien, c'est vous lui. Il peut être inquiet. C'est-à-dire qu'il peut se dire que c'est pas forcément une bonne idée plus tard de vous sin value bet river. Vu qu'il sait que vous avez une range de check raise. Et ça permet de faire des check raise bluff en plus.
Alors là, en bas à gauche, je peux très bien coller ou raiser avec cette main. Comme c'est un fiche qui fold beaucoup au c-bet, j'ai décidé de raiser. Et puis aussi parce que j'avais peur en collant que Manoa joue la main. Sur ce board-là, toujours parce que c'est un fiche qui colle beaucoup les c-bets. Et puis parce qu'il m'a déjà vu check call avec une main, une paire de 10, je décide de c-bet sur ce board pour essayer de lui faire folder tout ce qu'aurait de l'equity contre moi. À partir du moment où il call, je me dis qu'il a assez souvent un as, parfois un valet, je peux essayer de lui faire folder un valet, il va jamais folder un as vu le profil du joueur, c'est pas sûr qu'il fold un valet. Il va jamais folder un flush draw, bêter la turn m'obligerait à bêter la river. Donc je décide de checker. Bon après il bet 50 centimes dans 10 dollars, donc il me donne une chance sur 20 de toucher un 7 sur la river. Et ça peut pas être le 7 de cœur, donc il me donne les odds directs pour aller chercher un 7. Donc je décide de coller. Et il se trouve que du coup on voit un showdown puisqu'il ne rebarrelle pas avec son S10 haut. En bas à droite, j'ai ISO Raise avec Queen Jack haut, un open limb de UTG. On se retrouve à 3 à avoir un flop, le flop tombe As-High Super Dry, je décide de représenter l'As, parce que je pense que j'ai encore de l'AFE, mine de rien quand on regarde, c'est des joueurs qui foldaient un peu au c-bet. Ça m'a un petit peu surpris, c'était des joueurs qui avaient tendance, les fiches avaient tendance à folder au c-bet en fait. Il y a pas mal de networks sur lesquels je joue où les fiches foldées au c-bet, c'est quelque chose qu'ils comprennent pas très très bien. C'est un concept qui leur est assez étranger. Sur ce board-là, il fold quand même, mais là, ils avaient l'air tous relativement straightforward. Bon, en haut à gauche, on est dans une dynamique où il y a eu beaucoup de 3-bet, cut-off contre bouton, je peux coller, ça m'ennuie en même temps, je décide de 4-bet, ce qui revient à tourner ma main en bluff, hein, enfin, à transformer ma main en bluff. Je ne compte pas coller un push dans cette situation-là s'il push. En même temps, je pars du principe qu'en NL50, des joueurs de ce profil-là qui vont être capables de faire des 5-bet bluff dans le bon timing, il n'y en a pas tant que ça. Et que donc je peux 4-bet avec ma main qui possède deux bloqueurs. En plus, c'est une bonne main parce que c'est une main qui est capable de faire pair top kicker et on sait qu'Yu est capable de coller un 4-bet. C'est pas une mauvaise main pour 4-bet parce que si je touche un as ou un jack sur le flop, je vais pouvoir me stack off et ça fait quand même. Ça veut dire qu'une fois sur 3 je vais toucher top pair top. Enfin pas top pair top kicker, mais une fois sur 3 je vais toucher une très bonne main. Au moins une paire quoi. En bas à gauche, j'open caca, jusque-là normal. Un premier caller, Manoa, un deuxième caller. Là, je me disais que j'avais pas du tout envie que Ikura donc overcall, parce que le four-way avec caca, ça peut être délicat à négocier. Heureusement, il a la bonne idée de squeeze. Là, c'est un exemple d'illustration de ce que je disais. Vu les tailles de stack, je ne peux pas fort bet sans commit, et donc c'est un push. En haut à droite, je décide de. Ah non, c'est pas ce coup-ci. Moi, j'aurais très bien pu 3-bet pour en bluff avec Queen 7, mais je me disais que c'était pas un timing absolument parfait. Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. Du coup, avec Queen 6, je l'ai fait la main suivante. Parce qu'il openait vraiment beaucoup UTG. Je comprends pas pourquoi est-ce que je fais cette taille de 3-bet, c'est pas du tout bon. .5, ça paraît plus correct déjà. Oui, si, ça doit être bon en plus, hein, 75 x 3. 3 x 1, 3. 3 x 0, 75. 2, 25. Et 2, 25, ça fait 5, 75. Hein, il n'y a pas à discuter. Donc en haut à droite, oui, je vais mettre en pause là. D'habitude, sur ce board-là, dans une dynamique de 3-bet un peu agressive, avec la position, je ne c-bet pas. Parce qu'il a open raise, call, UTG. En même temps, il a tendance à beaucoup coller les 3-bet et être relativement straightforward sur le flop. Je peux pas faire apparaître les stats là, mais il a 86% de fold contre un c-bet. Donc à partir de ce moment-là, vu qu'il fold beaucoup, je me dis que j'ai encore suffisamment de FE, même si je représente que le haut de ma range de 3-bet. Et encore pas tout, puisque AK
Chacun n'a pas touché ce board. Mais c'est relative. Face à un adversaire plus tenté de faire des check raise en bluff ou ce genre de choses, c'est relativement important de savoir de checker ce genre de board. Bon, en haut à gauche, inutile de vous dire que quand j'open raise contre Yehu, vu la dynamique avec ma paire de 9, il est hors de question de folder un 3-bet, ça sera 4-bet call push. SB contre BB, c'est complètement obligatoire. Alors là, j'hésite à folder en haut à gauche, et puis je me dis que non, il y a beaucoup mieux à faire avec cette main. Je viens de 4-bet mainois 3 fois en un temps relativement court. Il a. Enfin, 2 fois. J'avais déjà 3-bet avant. Il a déjà collé un 3-bet, il en a foldé un autre. À ce stade, je me dis que si je le 4-bet là, je vais avoir une 3-bet là, pardon, je vais avoir une très très bonne FE sur le 5-bet. Absolument aucune FE sur le 3-bet. Je pense qu'il va juste aller très très souvent, enfin me 4-bet extrêmement souvent, mais que par contre j'ai une FE de malade là dans cette situation. Alors il 4-bet à 13,75, je vérifiais juste que je l'avais déjà vu 4-bet, hein, c'était juste voilà. Et donc je le 4-bet et il va folder. Pendant ce temps, on va mettre en pause parce qu'en même temps on a une main en bas à droite, dont c'est la main dont je ne suis pas content dans la session. Donc pendant ce temps j'avais collé hors de position avec As-7 suité, ça n'a pas trop de problème. Et je le check raise sur ce board 6-9-8. Vu la dynamique, ça aurait été beaucoup 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 plus intéressant de donker. Parce que il m'aurait potentiellement raisé. Et sur ce board-là, avec ma main, c'est pas inintéressant de faire un donk 3-bet AI. Enfin, un donk 3-bet AI, c'est-à-dire que s'il me raise, je vais all-in. J'ai open-ended plus une over qui se trouve être un as. Et là, le problème de mon check raise, c'est qu'en fait, si jamais il push là, je suis complètement commit. Parce que vu la dynamique, il va me pusher avec une range assez large, dans lequel on va avoir des gutshots plus paires, on va avoir des open-ended, des flush draws qui seront pas à l'as, enfin un certain nombre de mains que je domine. Et donc, c'est une situation dans laquelle j'ai fait les calculs, mais je peux vous assurer que là, je suis. Commit, c'est un bien grand mot, mais c'est break-even de coller ou de folder. Et donc, je vais avoir tendance à. Enfin, vu la dynamique, je suis obligé de coller. S'il push. Parce qu'en plus, il peut en avoir marre, et là, il peut décider de me bluffer. Ou de me rebluff, parce qu'il peut penser que c'est un bluff. Ou un semi-bluff. Et donc, quand il push, je call. Bon, il se trouve que là, j'étais contre une partie de sa range qui m'arrangeait, même si j'avais 45% d'equity. Mais globalement, j'ai besoin de 36% d'equity et les simulations que j'ai faites sur PokerStop, j'ai grosso modo 35 et tout et tout. Il y a un seul intérêt à avoir joué la main comme ça, c'est le fait d'avoir fait passer le message de je suis capable de faire des calls relativement light, avec une equity relativement faible. Ça sert à rien d'essayer de me bluffer. C'est pas un intérêt fantastique non plus. C'est pas. Il aurait bien mieux valu donker, le laisser me raiser parce que sa range de raise là face à un donk est relativement importante, et puis aller all-in ensuite, ça aurait été à lui de se poser des questions de savoir s'il était commit ou pas, ce genre de choses. Bon, du coup, en bas à droite, j'ai quasiment failli coller pour faire ce qu'on appelle un New York back raise, c'est-à-dire lui laisser la possibilité de nous squeeze. Pour revenir sur lui s'il nous squeezait. Et puis bon, j'ai décidé de 3-bet, chose complètement standard. Voilà, là on était dans une dynamique qui était tout d'un coup, depuis à peu près 5-10 minutes, et montait nettement en agressivité, particulièrement avec Yehu et avec Manwa, plus avec Manwa qu'avec Yehu.
Donc là, quand il me 3-bet, bah, j'ai la position, j'ai une pocket pair, c'est cutoff contre small blind, je décide de, on est un peu deep, je décide de coller. Le flop arrive Jack Eyes, qui n'est pas très dangereux pour moi. Enfin, j'ai une paire intermédiaire, je décide de coller pour show and value. Le problème, c'est que la turn est grosso modo la pire carte possible. Non, l'as de carreau, ça aurait été pire. Mais disons que si lui il a l'as de carreau, il vient de récupérer une très bonne equity contre ma range. Si un carreau arrive, même s'il n'a pas de carreau, il peut très facilement me bluffer. C'est donc une situation assez horrible. Pendant ce temps, en haut à gauche, j'ai un fish qui a donké le flop, bêté très très petit la turn alors que j'avais flush draw et j'obtiens nuts à la river, donc je le raise. On verra qu'il m'avait donké le. Enfin, que j'ai eu de la chance puisque j'ai eu une runner-runner flush. Il avait King 8 avec le 8 de cœur. Mais donc, oui, sur la main en bas à droite avec la paire de 6, à partir du moment où la turn tombe, bon, bah, il faut accepter, dans certains cas, qu'un flop se passe mal et que juste bah, là on pouvait absolument rien faire. Même s'il a l'as de carreau juste. Et surtout, vu la dynamique, il va difficilement. Il va pas folder un roi si je le raise. Il va pas folder l'as de carreau si je le raise. Il va pas folder. Je pense. Je suis même pas sûr qu'il fold un jack si je le raise. Donc je peux pas vraiment transformer ma main en bluff. Ça présente pas énormément d'intérêt de le faire. Alors là, on va arriver sur les dernières mains de la session. En haut à gauche, j'aurais pu isoler avec mon roi 9 haut, mais en même temps, Yeyu est un peu énervé du 3-bet. Et mon roi était potentiellement dans d'une humeur un tout petit peu. Donc là, j'essaie de overcall avec mon roi valet suité. Alors, on va d'abord un tout petit peu parler du jeu pré-flop. Ça aurait pas forcément. D'habitude, j'ai tendance à coller avec roi valet suité. En même temps, en small blind, c'est pas la position idéale. Ça aurait pas forcément été une erreur vu la situation de 3 bêtes. Vu que je pense qu'il. Dans la dynamique là, vu que j'ai. Quand il m'a 4 bet, j'ai 5 bet, il va sans doute attendre d'avoir une vraie main pour me 4 bet à nouveau. Et donc, du coup, il y a énormément de chances. Enfin, il y a peu de chances pour qu'il me 4 bet bluff. Donc ça me pose moins de problèmes de 3 bêtes avec roi valet suité. En même temps, coller pose aucun problème. Et le problème du 3 bêtes avec roi valet suité, c'est que si mon roi fold et que Melkawa, ça revient à lui, bah lui, Melkawa, il peut très bien décider, surtout qu'il a un peu des stats de fiche, de coller avec As-5 haut. Et il est short stack. Et j'ai pas une très bonne equity avec King High pré-flop pour accepter de me battre contre la range d'un short stack comme ça. Même s'il est mauvais. Donc à partir de là, c'est mieux de juste coller, même si on est en SB. On a vu la dynamique, et vu que j'avais fait un check raise un peu débile, bah je profite de l'image, c'est-à-dire que je décide de le check raise. Là c'est juste. Je vais remettre en pause. Là c'est juste la situation parfaite. C'est-à-dire que je viens de lui montrer que ça sert, enfin, qu'il a pas le trop de FE sur ses pushes, que je suis capable de le coller relativement light. Et je viens de lui montrer que je faisais des check raises avec des draws. Là, s'il a de la show and value, il y a énormément de chances pour qu'il colle 3 barrels. Avec un bon draw, logiquement, il doit partir all-in sur le flop, éventuellement sur la turn, s'il pense que je le bluffe assez souvent, mais plus logiquement sur le flop. Et donc là, je suis dans une situation où, bon, de toute façon, je compte pas folder ma main, s'il a mieux, tant pis. Et je suis dans une situation où, surtout, mon but, c'est de reprendre le contrôle de la main, de reprendre l'initiative pour pouvoir construire le pot sur le flop, bêter assez gros la turn. Et pusher la river quand il sera commit, en le laissant mettre toute sa stack au milieu avec des mains assez marginales, y compris Jack 10, y compris Queen Jack, y compris un Jack 5S qu'il aurait décidé de raiser, y compris même un 7. Là, vu la dynamique de jeu qui m'est extrêmement favorable, enfin, c'est pas qu'elle m'est favorable, mais elle est très très favorable au fait de jouer cette main-là
comme ça parce que c'est une situation dans laquelle lui est tenté de faire du bluff catch. Et donc quand votre adversaire est tenté de faire du bluff catch, il faut check raise pour value avec des mains un peu plus faibles que celles avec lesquelles vous seriez parti en check raise. D'habitude, un joueur classique ici, il va commencer à check raise avec AJ au plus et avec des bluffs, semi-bluffs, ce genre de choses. Là, je pars en check raise parce que, parce que j'ai une... Et je pars en check raise dans le but de me stack off. Le king est arrivé river, mais honnêtement, à la plupart, enfin, je ne saurais pas changer grand-chose les autres cartes. Bon, pas de chance pour lui, il a collé avec un draw qui avait pas de showdown value. Je suis pas méga fan de son call sur le flop. À la limite, je comprends. Pff, ouais, le call sur la turn, non plus. Il chope en plus un gut shot, il a une over. Sur le flop, il a une over et un flush draw. Il n'a pas notre flush draw, mais je pense qu'à sa place, je vais quand même all-in sur le flop. Bon, ben voilà, la vidéo va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des remarques, des envies particulières et tout et tout. Et puis sinon, bonne chance aux tables et à la prochaine.